Ça. Le micro est pas. Ah pardon, j'avais pas entendu. C'est la fin du monde. Bonjour, je suis Sakamin. Enchanté, ravi de vous retrouver pour cette magna numéro 103. On va tous crever, on peut pas sortir, il y a des murs qui fuient. Et nous nous retrouvons pour ce winner quarter final avec 1-0 pour Curaco. J'ai pas vu le premier match parce que j'étais en train de sauver mon sac de la noyade. Mon casque est mort. Oui, c'est pas une blague. Et on reparle immédiatement sur Small Battlefield, ce qui va me permettre de dire pour la première fois depuis 3 semaines que à l'arrière de Small Battlefield, il y a un bloc de glace, un petit peu comme ce qui tombe du putain de ciel. Vous savez quoi, je vais mettre la chaîne. On est chez NTK? Allez, on est chez NTK. J'étais pas censé cast ce soir, hein, mais je peux pas rentrer chez moi. Du coup, me voilà. Donc, nous nous retrouvons sur ce Battlefield. Alors, c'est un match-up qu'on a beaucoup vu à Strasbourg. Pyroline contre Curaco, c'est vraiment un match-up qui est assez commun, mine de rien. Et Pyroline, pour l'instant, prend un avantage plus que conséquent sur cette game. Attention cependant au Debrisine qui est présent. On a essayé de l'attraper avec le ballon. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Alors, nous sommes chez NTK, donc je vais baisser le son à fond et je vais vous mettre... voilà, c'est bon, j'ai le chat. Maintenant, j'ai plus le chat. Ok, super, donc si vous avez envie de m'insulter, c'est maintenant. Ok, donc pendant ce temps-là, Curaco a réussi à prendre une stock. Faut toujours faire, voilà, très attention. L'aspect, le truc, voilà, la viande, là. Ouais,
si t'en as une. Oula, attention à ce forwarder qui peut prendre des stocks relativement vite. On va camper le ledge avec la bombe. Malheureusement, on n'en fera rien. Kurako qui est très évasif dans sa gestion de son propre ledge trap. Attention néanmoins à ne pas se laisser avoir par les dégâts de ce Link. Ok, on va shield. On va, on va récupérer cette Erdol. Joli read de la part du Wi-Fit nouvellement strasbourgeois. On a tenté le petit angle de cingler. On a tenté la Vince. On n'a pas y mourir. Ok, 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 Wi-Fi en difficulté, malheureusement pour Pyrolim, ça n'amènera pas grand chose de très intéressant. Non, oh, j'ai cru qu'on prenait le ballon, j'ai vraiment cru qu'on prenait le ballon. Non, ça fuit pas ici. L'Alsace Esport Arena, pour l'instant, semble étanche. À part un mur, apparemment. Oh, très très joli DBZ qui va ramener le score. On est sur 4 minutes 20. Et bah du coup, complètement even hein, pour le coup. Ça serait bien pour Pyrolim au niveau du moral qu'il réussisse à récupérer cette game-là. Ok. Parce que, bah, comme dit, Kurako a quand même une game d'avance sur ce set qui est, je suppose, en BO5. Grave d'accord avec ça. J'ai l'impression que c'est vraiment très compliqué pour Kurako, mais en même temps j'ai envie de dire que Wi-Fit a ce truc très similaire à Sephiroth, hein, je l'ai déjà mentionné précédemment dans des différents streams. Wi-Fit a ce truc très similaire à Sephiroth où globalement si elle est offstage, c'est un des rares persos qui s'en branle hein, globalement. Ça lui va très bien d'être offstage, ça lui va très bien de... d'attendre son adversaire. Malheureusement, on va se faire récupérer par ce up B reverse. On va mourir sur ce up B reverse qui va donc permettre à Pyrolim d'égaliser le score sur ce set. C'est un partout sur ce BO5. Je vais prendre des infos pour savoir si l'Alsace Sport Arena est en train de couler littéralement et je reviens. Et après, tu peux aller quoi sous la veille pour récupérer ton sac. Bien, du coup. Attends, parce que du coup, si tu veux, mais je vais aller. Bien, du coup, nous sommes de retour sur Global. De retour sur le bastion, c'est relativement, j'allais dire relativement even, c'était faux. Premier kill pris par Kurako. Attention à ce forward. Mâche, il est mort lentement, mais il est mort. On revient à l'even du côté de Pyrolim. Il va falloir bosser ses setups si on veut obtenir cette victoire. Oi, 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 non, 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 oh, il a...
dit la bienvenue à Strasbourg de la manière la plus appropriée. Kurako vient d'emménager à Strasbourg. Bien, très bien. Du coup, Pyrolim a maintenant un avantage certain et il est en train de recommencer ses zinziteries, comme le dirait le bon Gagil. J'aime beaucoup le mot, je vais lui cliquer. Il est en train de recommencer ses zinziteries. Et Kurako semble un tout petit peu désemparé par cette nouvelle confiance prise par le bon Link. Puisque j'ai l'impression qu'il lui pense un peu dessus quand même. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il lui court un peu à la gueule. Ok, bon. Du côté de Pyrolim, il va quand même falloir pas trop paniquer. Il va quand même falloir vraiment pas trop se laisser avoir par le grattage de Kurako. On a l'avantage, très clairement, on a le kill, peut-être, oui, on a le kill avec cette dash attack, et on part sur un 2-1 pour notre Link. Ça va, y'a rien. Start the battle, we fit trainer. Ok, et ça part sur Tonen City, qui est, à titre personnel, ma map préférée du jeu. Tonen City qui est une très très bonne map pour Link, donc je sais pas trop ce qu'on fout là. Après, c'est vrai que c'est une map sur laquelle Kurako est notoirement à l'aise également. C'est une map qui est vraiment connue pour être très grande, avec des blast zones sur les côtés qui sont très serrées. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien du côté de Kurako. On sent qu'il est à l'aise avec ses stops, on sent qu'il est à l'aise avec la hauteur de ses plateformes. Il sait exactement ce qu'il fait. Ok, attention quand même à ce spike un peu hasardeux, ça aurait pu être... Ce spike un peu hasardeux, non? Oui, voilà, donc ça c'est la Pyrolim spéciale. On se prend le ballon et on meurt, et honnêtement, c'était le finish idéal, ce qui vient de se passer. Très très bien joué de la part de Kurako, qui maintenant a une stock presque entière d'avance. La situation est totalement inversée par rapport à la game précédente. Il a essayé de faire un truc de fou, ça n'est pas passé. Malheureusement, on va IDG, peut-être involontairement, c'est très possible. On va avoir cette récupération de boomerang, on va avoir ce potentiel kill avec une edge guard. Non, malheureusement, ça ne passera pas. On a eu le premier coup du backer, le deuxième ne passera pas. Donc vraiment là, l'avantage est de retour sur Kurako avec maintenant une stock entière d'avance. Ok, on va enfin crever sur ce up B. On rappelle que, donc je le disais, Tony Ziki, les blazones sur les côtés sont vraiment rapprochés. Et le up B, le Link fait très bien le café pour tuer par le côté. On aurait pu être dans une situation vraiment compliquée pour Kurako. Malheureusement, Pyrolim s'est un tout petit peu loupé. Kurako maintenant doit surtout capitaliser sur son avantage. Hein. On va devoir faire attention à ses habitudes de debriefing. On va devoir faire attention à ses habitudes de recovery, hein, tout simplement. Il va falloir faire attention à ne pas se faire punir sur ses side B dont je parlais précédemment. On a essayé de faire un truc de fou. C'était moins fructueux que ce que ça aurait pu être. Mais ça a fonctionné, ça a au moins fonctionné, ça lui a laissé un peu d'air, le bon Pyrolim en avait bien besoin. Ouh, la dash attack qui ne prendra pas le kill, mais vraiment pas à grand chose. On va bombrico, on va faire tout son possible pour rester très loin de ce whip it avec le debriefing. Et mine de rien, on gratte, et 81%, ça commence à être un... C'était très chelou ce qui vient de se passer. Je m'attendais vraiment à ce que ça tue, ça n'a pas tué. Ok, voilà, bon là pour le coup, le format full chargé, la ride était parfaite, il était dans sa tête. Et du coup, on revient sur l'event, mais ce coup-ci, si Pyrolim la gagne, c'est le 7 pour Pyrolim qui s'en ira en winner semi. Là, vraiment, Kurako a une montagne à gravir, et Pyrolim a un momentum qu'on lui connaît, hein, quand il est dans la zone. Globalement, c'est vrai que Pyrolim, c'est un joueur momentum-based. Ok, attention tout de même à ne pas se faire avoir par ce Salute the Sun. Attention à ne pas se faire avoir par toutes ces manigances que le bon Pyro est en train d'envoyer dans la tête de cette prof de yoga. C'est la mort, c'est la mort. Et c'est un kill pris par Pyrolim, mais c'est un set pris par Pyrolim. Félicitations à lui, le pop-off était largement mérité. Mais félicitations tout de même à Kurako qui n'a pas démérité. Et qui va maintenant probablement aller...
péter la gueule au loser bracket, hein, je peux pas vous en dire plus. Et on a